Enquête sur l'existence des anges gardiens, Pierre Jovanovic. Chapitre 2, suite, type 2. Rencontre après le tunnel ou des anges dans les NDE. 3. Des robes de lumière. Cas de Dr. Raymond Moody. Jason, 11 ans, venait de recevoir une bicyclette pour son anniversaire. Le lendemain, impatient de tester son vélo, il sauta dessus et dévala sa petite rue d'habitude très calme. Mais ce jour-là, trop heureux d'essayer son nouveau jouet, il n'aperçut pas la voiture qui fonçait droit sur lui. Ambulance, hôpital, un peu de rééducation et tout rentre dans l'ordre. Il avait pourtant essayé de parler de son expérience à sa mère, mais elle ne voulut pas l'entendre. Du coup, il rangea son souvenir brûlant dans un coin de son jardin secret. Mais 3 ans plus tard, un élève de son école mourut d'une leucémie. La maîtresse aborde le sujet en classe. Et dans le cerveau de Jason, cela fait tilt. À ce moment-là, il lève le doigt et explique à ses petits copains qu'en fait, lorsqu'on meurt, on ne meurt pas. Silence de mort, et des anges passent en se dépêchant. Même la maîtresse est interloquée. Jason, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors il raconte son expérience en précisant « Ben, la mort, c'est pas grave. » Je ne me souviens pas du choc. Mais je me suis retrouvée d'un seul coup en train de me regarder d'en haut. J'ai vu mon corps coincé sous la bicyclette, avec ma jambe cassée qui saignait. Je me souviens avoir regardé mes yeux. J'ai vu qu'ils étaient fermés. J'étais au-dessus. L'ambulance est repartie et j'ai essayé de la suivre. J'étais au-dessus d'elle et je la suivais. Je me suis dit que j'étais mort. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un tunnel avec une lumière au bout. Le tunnel donnait l'impression de monter et de descendre. Je suis sortie à l'autre bout. Dans le tunnel, il y avait 2 personnes qui m'aidaient. Je les ai vues quand on a débouché dans la lumière. Elles étaient avec moi pendant le chemin. Ensuite, elles m'ont dit que je devais repartir. J'ai repris le tunnel en sens inverse et me suis retrouvée à l'hôpital où 2 médecins essayaient de me ranimer. Ils disaient « Jason, Jason !» J'ai vu mon corps tout bleu. Je savais que j'allais revenir parce que les gens de la lumière me l'avaient dit. Les médecins étaient préoccupés, mais j'essayais de leur dire que j'allais bien. L'un d'eux a mis des raquettes sur ma poitrine et mon corps a sursauté très fort. Docteur Moody, Jason, as-tu remarqué quelque chose à propos des gens qui étaient avec toi dans le tunnel? Jason, les 2 personnes m'ont aidé dès que j'y suis arrivée. Je ne savais pas exactement où je me trouvais, mais je voulais aller à la lumière que je voyais au bout. Elles m'ont dit que tout irait très bien et qu'elles allaient m'emmener à la lumière. Je les sentais rayonner d'amour. Je n'ai pas pu voir leur visage. C'était juste des formes dans le tunnel. J'ai pu voir leur visage quand nous sommes sortis dans la lumière. C'est difficile à expliquer parce que c'est très différent de la vie sur Terre. Je n'ai pas de mots pour en parler. C'est comme si elles avaient porté des robes très blanches. Tout était éclairé. Docteur Moody, tu as dit qu'elles t'ont parlé? Que t'ont-elles dit? Jason, non, je pouvais dire ce qu'elles pensaient et elles pouvaient dire ce que je pensais. Comme Christelle, le docteur Moody note que malgré la gravité de son accident, Jason se rétablit sans aucune lésion cérébrale, ni séquelles. Ce qui relève du pur miracle. Ici, le sujet distingue 2 formes rayonnant de l'amour et qui le rassure pendant son passage du tunnel. Jason n'a pu les distinguer qu'une fois sorti du tunnel. 4. La main dans la main de l'ange. Cas qui m'a été aimablement transmis par Ken Ring. Cette expérience présente un intérêt considérable parce que nous retrouvons tous les points du tableau de Jérôme Bosch, l'ascension vers le paradis céleste. Beverly a été élevée dans une famille conservatrice juive, mais non pratiquante de Philadelphie, dans une atmosphère matérialiste et claustrophobe. Au lycée, les filles n'étaient jugées qu'en fonction des vêtements qu'elles portaient et de leur beauté. Malgré ses excellents résultats, Beverly était totalement effrayée par l'école, par l'avenir et sa crise d'adolescence s'accentua lorsqu'elle perdit son père. Après le décès, sa mère fit une dépression. Et totalement effrayée par la vie qui l'attendait, elle s'enfuit de la maison familiale. À l'âge de 8 ans, lorsque je compris ce que fut l'Holocauste, je suis devenue totalement athée
et toute croyance en Dieu me mettait en colère. Comment Dieu pouvait-il exister et permettre en même temps une chose pareille? Mon éducation laïque et l'absence de pratiques religieuses n'avaient fait qu'ajouter de l'eau à mon moulin. Elle quitte Philadelphie pour le soleil éternel de la Californie et débarque à Los Angeles, en plein mouvement hippie. Le lendemain, pour fêter son arrivée, un ami lui propose une balade en moto. Loin de l'atmosphère lourde de sa maison, elle se sent enfin heureuse et débarrassée de tout souci. Elle monte sur la selle passager. La virée dans le désert californien se termine mal. Sur la petite route écrasée par la chaleur, la voiture d'un ivrogne percute la moto et Beverly, sans casque, effectue un vol plané avant de heurter l'asphalte, la tête la première, et de glisser quelques mètres en y laissant la peau de la moitié de son visage. Elle passe 2 semaines à l'hôpital, gavée d'anesthésiants, pour l'aider à supporter la douleur provoquée par ses fractures. Finalement, l'hôpital la relâche. Elle rentre dans son petit appartement temporaire, pose ses affaires et ouvre la porte de la salle de bain. Elle allume la lumière et se regarde pour la première fois dans le miroir. Elle est défigurée. Son visage est celui d'un mutant. Tout à coup, elle se rend compte qu'avec cette tête, plus jamais un homme ne lèvera ses yeux sur elle. Cette pensée se transforme en obsession, en cauchemar. Alors elle s'effondre en larmes. Elle pleure, pleure, comme elle n'a jamais pleuré. Après la perte de son père, cet accident est la goutte qui fait déborder le vase. Elle toucha le fond du désespoir. Et pour la première fois de sa vie, comme beaucoup de gens, elle se tourna vers Dieu, le seul interlocuteur hypothétique qui lui restait, et le pria, le supplia de l'emporter définitivement. Je ne voulais pas vivre une journée de plus. À 20 ans, je n'avais pas d'autre ambition que d'apprécier la vie et la partager avec quelqu'un. La douleur était insupportable. Aucun homme ne voudrait plus jamais m'aimer. Et désormais, il n'y avait plus de raison de continuer à vivre. Soudain, une paix inattendue m'envahit. Je me suis retrouvée en train de flotter au plafond, au-dessus de mon lit, regardant mon corps inconscient. J'ai eu du mal à réaliser la singularité de cette situation, merveilleuse. Que c'était moi, mais pas dans mon corps. Lorsque je fus rejointe par un être radiant, baignant dans une lumière blanche chatoyante. Comme moi, cet être volait, mais n'avait pas d'aile. J'ai ressenti un respect mêlé à de la crainte lorsque je me suis tournée vers lui. Ce n'était pas un ange, il n'avait pas d'aile, ou un esprit ordinaire, mais il a été envoyé pour me délivrer. Un tel amour, une telle douceur émanait de cet être, et j'ai cru être en présence du Messie. Doucement, il prit ma main, et nous nous envolâmes à travers la fenêtre. Je n'ai même pas été surprise par mon habileté à faire une chose pareille. Avec cette merveilleuse présence, tout était comme cela devait être. L'océan Pacifique s'étalait en dessous de nous avec un coucher de soleil. Mon attention était maintenant attirée vers le haut où se trouvait une grande ouverture qui conduisait vers une autre ouverture circulaire. Bien que cela semblait profond et très très long, une lumière blanche brillait et se déversait dans l'obscurité, de l'autre côté où l'ouverture nous appelait. C'était la plus belle lumière que j'ai jamais vue, bien que de l'extérieur, je ne réalisais pas combien sa splendeur était voilée. Le chemin se trouvait à droite, partait vers le haut avec une trajectoire oblique. Maintenant, toujours main dans la main avec l'ange, j'étais conduite dans l'ouverture de ce petit passage obscur. Je me souviens de moi franchissant une longue distance jusqu'à la lumière. Je crois que j'allais très vite, mais tout semblait hors du temps. Finalement, j'arrivais à destination. C'est uniquement lorsque j'arrivais de l'autre côté que j'ai réalisé que je n'étais plus accompagnée par l'être qui m'avait emmenée là. Mais je n'étais pas seule. Là devant moi était la présence vivante de la lumière. À l'intérieur, je ressentis l'intelligence, la sagesse, la compassion, l'amour et la vérité. Cet être n'avait aucune forme et pas de sexe défini. Il, je l'appellerai il pour me conformer à la syntaxe commune, contenait tout. Comme une lumière blanche contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme dans un prisme. Et du plus profond de moi vint une certitude et une reconnaissance merveilleuses.
Moi, même moi, me trouver en face de Dieu. Alors je l'ai immédiatement assailli de toutes les questions qui m'intriguaient, toutes les injustices que j'avais vues dans le monde physique. Je ne sais pas si j'ai fait ça délibérément, mais j'ai découvert que Dieu connaît immédiatement toutes vos pensées et répond par télépathie. Mon esprit était nu. En fait, je devins un pur esprit. Le corps éthéré avec lequel j'avais traversé le tunnel semblait ne plus exister. C'était juste mon intelligence personnelle confrontée à l'esprit universel qui se revêtait d'une glorieuse et vivante lumière que l'on ressentait plus que l'on ne voyait, car aucun œil n'aurait pu supporter cette splendeur. Je ne me souviens pas exactement du contenu de notre discussion, car dans le processus de retour, les aperçus qui m'étaient si parfaitement clairs au ciel ne me suivirent pas sur terre. Je suis sûre de lui avoir posé cette question qui me torturait depuis mon enfance à propos de la souffrance de mon peuple. Je me souviens de cela, de la réponse. Il y a eu une raison pour tout ce qui arrive. Même si cela paraît affreux dans le monde physique, en mon fort intérieur, j'avais les réponses. Mon propre éveil réagissait de la même manière. Mais bien sûr, j'avais pensé, je savais déjà tout cela. Comment ai-je pu oublier? En effet, il était évident que tout cela se passait dans un dessein précis et que ce dessein est déjà connu par votre moi éternel. Progressivement, les questions cessèrent parce que soudain, je fus rempli de toute la sagesse de l'être. Il me fut donné bien plus que des réponses à mes questions. Toute la connaissance se déploya en moi, comme l'éclosion instantanée d'un nombre infini de fleurs. Je fus rempli du savoir de Dieu, et dans ce précieux aspect de son existence, je ne faisais plus qu'un avec lui. Il ne s'agit pas de ce que l'on appelle une NDE type, puisqu'il n'y a pas d'accident ou de mort physique au moment de l'expérience. Mais tous les ingrédients y figurent. Le dénominateur commun, émotion et désespoir intense, mêlés à un appel soudain à Dieu, ont provoqué cette sortie hors du corps du sujet, la traversée du tunnel aidée par un être de lumière radieux, présence merveilleuse, qui lui prend la main, ici, le guide l'aide à entrer dans le tunnel et disparaît. Il ne s'est pas identifié. 5. Mon gardien. Cas cité par le chercheur mormon Arvin Gibson, qui a trouvé et interrogé une centaine de rescapés NDE. Glimpses of Eternity, 1991, Horizon Publisher, Bountiful, Utah. Le récit de Anne l'a tellement frappé qu'il en a fait la couverture de son livre. Anne a 9 ans. Comme d'habitude, le soir, sa mère l'installe confortablement dans son lit et l'aborde, sans remarquer que l'enfant est pâle et affaibli. Les médecins avaient diagnostiqué un début de leucémie. Elle l'embrasse en lui souhaitant une bonne nuit, éteint la lampe et quitte la pièce en refermant doucement la porte. Anne se sent bizarre et n'arrive pas à s'endormir lorsque l'impression d'une lueur lui fait ouvrir les yeux. Elle aperçoit alors une lumière blanche et dorée qui semble provenir du mur gauche et qui se répand doucement dans sa chambre. Je m'assis et observais la lumière grandir. Elle se développa rapidement, aussi bien en intensité qu'en dimension. En fait, la lumière devint tellement brillante qu'il me semblait qu'elle pouvait éclairer le monde entier. Je distinguais quelqu'un dans la lumière. Il y avait cette femme magnifique et elle faisait partie de cette lumière. En fait, elle rayonnait la lumière. On aurait dit qu'elle était pur cristal. Elle inondait de la lumière. Même sa robe semblait rayonner sa propre lumière. La robe était blanche, longue, à grandes manches. Elle portait une ceinture dorée autour de la taille et ses pieds étaient nus. Non parce qu'elle avait besoin de porter quelque chose, mais parce qu'elle se tenait à quelques centimètres au-dessus du sol. Je n'ai jamais vu une telle gentillesse et un tel amour sur le visage de quelqu'un. Elle m'appela par mon prénom et tendit ses mains vers moi. Elle me dit de venir à elle. Sa voix était douce
et gentille, mais résonnait dans ma tête. La communication est plus facile que lorsque vous exprimez des pensées avec des mots. À ce moment, j'ai supposé qu'il s'agissait d'un échange de pensées. Je lui ai demandé qui elle était et elle m'a répondu qu'elle était mon gardien, envoyé pour m'emmener dans une place où je pourrais rester en paix. L'amour qui émanait d'elle m'enveloppa et je n'ai pas hésité à poser mes mains dans les siennes. Nous traversâmes une obscurité avant de nous retrouver dans une lumière qui devenait de plus en plus brillante. Je demandai à mon gardien pourquoi elle m'avait emmené là et elle me répondit que j'en avais besoin parce que ma vie était devenue trop dure à vivre. Anne se retrouva sur la colline d'un parc radieux avec d'autres enfants qui s'amusaient avec des jouets et elle les rejoignit, totalement immergée dans ce nouveau monde qui respirait l'amour, la paix et la joie. L'être lumineux la laissa dans ce parc et revint plus tard. Elle lui prit la main à nouveau en lui expliquant qu'elle devait repartir, ce qui mit la petite fille en colère. Elle ne voulait plus retourner. Alors l'ange lui expliqua gentiment que désormais il lui serait plus facile de vivre sur terre. Dans l'instant, Anne réintégra son lit. Par la suite, les médecins ne trouvèrent plus aucune trace de la leucémie.